Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation de l'Institut des Jardins et Paysages, des Jardins européens des Jardins et Paysages. Donc, c'est un vieux rêve de mettre en place cette rencontre. Et je remercie Didier Wirth qui est là, avec qui on a commencé à réfléchir à cette idée d'offrir au public des jardins, et pas d'ailleurs à tous ceux qui sont intéressés aux questions liées au jardin, mais pas forcément des professionnels. Donc un moment de réflexion, de débat, de discussion. Donc c'est pas vraiment des conférences dans le sens strict du terme. On peut faire penser que ce sont des moments de réflexion. Et merci évidemment à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme qui nous héberge et qui nous accueillit si bien. Donc pour cette première rencontre, j'entends un écho pas possible, non, pas vous aussi, ça, un petit peu, ça va. On a pensé à davantage comme ça. Juste là, voilà, simplement vous posez là normalement. Voilà. Oui, peut-être un peu moins fort. Et on a pensé qu'on pouvait commencer par une présentation du dernier numéro de la revue Jardin. Donc je vais vous la présenter rapidement. C'est un prétexte en fait pour discuter du thème auquel on vous a convié, mais je peux vous la présenter en quelques mots. C'est une revue qui a été créée en 2010, que j'ai créée aux éditions du Sandre, qui est un petit éditeur qui publie des livres de philosophie essentiellement. Et quand en 2015 cet éditeur ne pouvait plus continuer, j'ai continué tout seul. Donc j'ai créé une petite maison d'édition qui est consacré uniquement à cette revue qui s'appelle Jardin, donc annuelle, thématique, et qui a comme vocation, comme ambition d'explorer le jardin, le paysage aussi, dans ses dimensions plus philosophiques, plus littéraires. C'est pour ça qu'on invite, c'est pas une revue scientifique en fait, c'est pour ça qu'on invite des auteurs qui proviennent de domaines complètement différents, donc bien sûr des historiens des jardins, des paysagistes, parfois des jardiniers aussi, mais aussi des philosophes, des historiens, des écrivains, des artistes, des poètes, des géographes, des botanistes. On entend là ? C'est mieux, oui, là ça va nettement mieux. Et voilà, donc l'idée c'est d'aborder le jardin et les paysages, encore une fois, dans toute sa richesse, dans toute sa complexité, ce qui nous oblige effectivement à demander l'intervention, le regard, la contribution de gens qui ont de parcours, de profils différents. Donc on mélange les langages, les points de vue, les approches. Et c'est peut-être quelque chose qui manque un peu ou qui mérite d'être un peu développé dans le paysage du jardin contemporain. Cette dimension un peu plus, je dirais même existentielle du jardin, qui reste pour moi fondamentale. Et peut-être qu'on va le voir d'ailleurs aujourd'hui dans cette discussion. Donc c'est une revue annuelle, comme je l'ai dit, consacrée à des thèmes qui sont en général assez vastes. Donc là, c'est la musique, vous l'avez compris. Le premier, c'était les génies du lieu. Vous savez, cette réalité dont on parle tout le temps, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puis il y a eu le temps, l'ombre, le retrait, le chemin, la lisière, les racines. Donc des sujets à la fois vastes, mais concrets, qui nous permettent vraiment de parler de lieux, et non pas uniquement d'idées, et qu'on n'essaye jamais à chaque fois, dans aucun numéro, d'explorer d'une façon exhaustive, enfin, de présenter tous les aspects, par exemple, du jardin et la musique. Ce serait d'une part impossible, et pas souhaitable non plus, en tout cas pas souhaitable de se mettre dans cette démarche-là. On laisse de la place aussi à... Comment dire, on est à l'ouvert, comme dirait Eric, hein, c'est-à-dire tout ce qui reste devant nous et qui reste à explorer. Mais j'insiste un peu sur cette idée. C'est vraiment une revue plus d'exploration, à la limite de voyage dans les mondes de jardin, plutôt qu'une revue de connaissances, de savoir, une revue scientifique, comme je le disais. Donc la musique, c'est un thème très vaste. Normalement, je commence chaque numéro avec un petit texte d'introduction, et là, je me suis dit vraiment que c'était pas la peine de m'essayer à ça, c'est vraiment trop grand, trop... peut-être trop haut même comme sujet, la musique et le jardin, donc je ne me sentais pas assez capable d'écrire quelque chose en plus de rapide sur deux pages, voilà, même si en général ce n'est qu'une entrée, une invitation, un premier pas dans le domaine, dans le sujet. Je préférais donner directement la parole aux auteurs que j'ai invités.
Comment donc du coup je n'ai pas forcément un avis autorisé. Franchement, je suis là un peu par hasard, un peu par rapport à mes collègues qui ont réfléchi beaucoup plus que moi à la question du jardin de la musique, de la nature de la musique, du paysage de la musique. Mais bon, effectivement, donc en travaillant sur ce numéro de la revue, évidemment, je réfléchis un peu à la question d'une grande complexité, comme je le disais. Comment aborder la question du jardin et de la musique, ces deux réalités qui semblent si distantes et en même temps si proches. Mais les deux, finalement, dans les deux cas, on a du mal à comprendre, à saisir et à voir de quoi on parle. Ben, déjà, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la musique des jardins. Donc le thème de la manifestation Rendez-vous au jardin cette année, comme vous le savez, c'est la musique du jardin, je crois. Je ne sais pas où est Marie-Hélène Dentière, je l'ai vue, mais ou les musiques du jardin, les musiques des jardins. Et donc Marie-Hélène Dentière m'a signalé le fait que c'est pas exact, c'est pas la musique et le jardin, c'est la musique, c'est beaucoup plus précis et plus. Effectivement, c'est la première chose à laquelle on pense. La musique et le jardin, si on a un peu une pratique, si on fréquente les jardins ou si on est jardinier ou paysagiste, bien sûr, on pense tout de suite à ça. Au chant des oiseaux, les abeilles qui bourdonnent, le vent, l'eau, évidemment. Mais la question qui se pose, la première question qui se pose et qui traverse un peu les textes que j'ai réunis dans ce numéro, et que je veux bien savoir ce que vous en pensez, vous aussi, est-ce qu'on peut vraiment parler de musique quand on pense, d'une manière autre que tout simplement métaphorique, quand on dit la musique du jardin? Est-ce que ce n'est pas juste une image, quand on parle du chant des oiseaux? Est-ce que c'est vraiment du chant? Est-ce que la musique, ce n'est pas autre chose? Alors, il y a des auteurs qui disent, Denis Grozdanovic commence un article en disant, il n'y a pas de musique, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, vraiment, dans le vrai sens du terme. La musique du jardin, il n'y a pas de musique dans le jardin, il y a des sons, il y a des bruits qui ont un sens éventuellement pour les oiseaux, ou pour les insectes, mais qu'on ne peut pas comparer à la composition musicale, à l'œuvre d'un compositeur musical, à l'exécution d'une musique. En effet, bien sûr, ça va un peu de soi, c'est pas la même chose. On n'est pas, je reste attaché à l'idée qu'il y a une musique du jardin, en fait, qui n'est pas d'ailleurs tout simplement le chant des oiseaux, qui n'est pas tout simplement le bruit du vent, etc., le son de la pluie. Même. C'est quelque chose de. Parfois, j'ai l'impression, mais c'est vraiment une image de quelqu'un qui n'a justement pas vraiment réfléchi à la question. C'est une image spontanée qui me vient. Parfois, je vois le travail du jardinier un peu comme le travail d'un directeur d'orchestre qui dirige un mouvement. Finalement, ce n'est pas si loin que ça quand on y pense, parce que le jardin est l'œuvre musicale. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais le jardin aussi est composé d'éléments organiques, de matériaux organiques, le végétal, l'eau, la pierre, la terre, que les jardiniers, le paysagiste mettent ensemble et réélaborent pour créer une œuvre d'art qui possède un sens en elle-même et qui est plus, d'une certaine manière, que le son de la nature. Donc, on n'est pas si loin que ça, peut-être. Donc, j'aime bien imaginer le jardinier un peu comme un directeur d'orchestre, voilà, sauf que sa partition, bien sûr, il ne la connaît pas à l'avance. Ce qu'il peut maîtriser, lui, en tant que jardinier, finalement, ce n'est pas grand-chose dans le jardin, par rapport à tout ce qui est aléatoire dans la vie du jardin. Donc, je pense qu'il y a une musique du jardin et que cette musique, peut-être, c'est, comme je le disais, plus que les sons qu'on trouve dans un jardin. J'aime bien. C'est peut-être une image excessivement poétique. Pensez à la musique du jardin un peu comme ce qui émerge et qui porte le sens du jardin, ou son âme. Il y a une époque où on osait parler de l'âme du jardin, ou son génie du lieu, puisque c'est un terme peut-être un peu plus récent. Et c'est peut-être là qu'il y a une musique du jardin. Après, bien sûr, il y a le jardin comme lieu de représentation musicale, lieu dans lequel on fait de la musique. Au moins depuis la Renaissance, il y a peut-être des historiens qui peuvent me contredire. Peut-être on faisait de la musique avant, mais à la Renaissance, on commence à voir des concerts dans les villas à Rome, en Toscane, etc. Après, il y a bien sûr la grande époque de la musique à Versailles avec Lully. Ça, c'est un sujet qui a été amplement étudié et travaillé, enfin, analysé. Il y a les théâtres de Verdure. Ici, donc, on a notre amie Nathalie Deguin qui est la présidente du réseau des théâtres de Verdure. Un sujet magnifique, très intéressant. À un moment donné, on commence à aménager des théâtres
de matière végétale dans lesquelles, effectivement, il y avait de la musique, et qui avait peut-être aussi une fonction décorative. Hein, ça, je ne sais pas. C'est peut-être, elle peut nous expliquer tout ça si elle a envie, si elle a le temps après. Donc, le jardin comme lieu de représentation musicale. Mais je pense que ce serait un peu dommage de voir le jardin comme un conteneur, comme une espèce de boîte qu'on peut remplir avec des événements éventuellement musicaux ou autres, théâtre, musique, sans tenir compte des liens, de ce qui se passe vraiment entre ces arts quand elles se croisent. C'est ça, de ça qu'on va parler surtout aujourd'hui. On a aujourd'hui la tentation de voir les jardins. Et moi, j'ai travaillé longtemps au département des Hauts-de-Seine, dans la direction des jardins, et je m'occupais de ce qu'on appelait les animations. Et j'avais l'impression qu'on a tendance souvent à voir les jardins comme ça, comme des conteneurs dans lesquels on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et qu'on ne se pose pas vraiment la question de ce qui se passe vraiment quand il y a des arts qui se rencontrent, qui se croisent et qui se mélangent, qui se contaminent forcément. Après, il y a bien sûr le jardin comme source d'inspiration pour les musiciens. Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, peut-être Eric, tu vas en parler, mais il y a toute une tradition de compositeurs qui se sont inspirés de jardins spécifiques. Je pense à Liszt et ses sonates sur les jeux d'eau de la Villa d'Est, des fontaines de la Villa d'Est, les cyprès de la Villa d'Est aussi, mais les jeux d'eau, bien sûr, il y a toute une dimension musicale. On entend le piano qui poursuit, on dirait presque, les sons, les différents sons de la musique de Fontaine, de la Villa d'Est, que Liszt connaissait parce qu'il y habitait. Il y a un manuel de Falla, je sais pas, Forêt, le jardin nocturne, et les exemples sont vraiment nombreuses. Et il y a quand même un article qui parle un peu plus en détail dans la revue de tout ça. Mais bien sûr, la musique ne fait pas que représenter, comme le ferait éventuellement la peinture, des jardins. C'est beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que, pour ne faire que l'exemple de Liszt et de Fontaine de la Villa d'Est, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lieu d'échange, un moment d'échange entre la musique et le bruit et le son de l'eau de Fontaine, qu'il y a presque une continuité d'ailleurs, plus qu'une échange, entre la musique et le jardin dans ce cas-là, qui est assez fascinante quand on y pense. Donc le jardin qui aspire la musique, mais les musiques qui aspirent le jardin qui aspire la musique, les compositeurs. Mais est-ce que c'est vrai aussi dans l'autre sens? Est-ce que l'art des jardins s'est vraiment inspiré en tant qu'art de la musique? Et là, j'ai quelques doutes. Encore une fois, on peut en débattre. Il y a peut-être quelqu'un. Je pense qu'il y a des historiens des jardins qui ont des exemples qui contredisent ce que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, dans l'art du jardin en Occident, tout est un peu basé sur la vue et pas vraiment sur lui. Quand on réfléchit au jardin de la Renaissance, on commence à réfléchir à la perspective, aux vues. Dans les traités d'Alberti, on pense déjà à la vue du paysage. Tout est basé sur la vue. Les jardins classiques français du XVIIe siècle accentuent cette dimension visuelle. La perspective, la symétrie, les anamorphoses éventuellement, si elles existent vraiment dans les jardins. En tout cas, c'est sûr que dans certains jardins du XVIIe siècle, on voit qu'il y a un jeu de l'espace. Tout est basé sur la vue. Les jardins pittoresques, c'est la peinture, les jardins anglais du XVIIIe siècle. Alors qu'il y a très peu de place pour lui, mais aussi pour tous les autres sens. C'est-à-dire que s'il y a une dimension sonore dans un jardin, il y en a évidemment, puisqu'il y a toujours de sons émis par la nature, il y a toujours des oiseaux, il y a toujours des fontaines, souvent des fontaines, des canaux, il y a de la pluie parfois. Quand on a... Mais est-ce que ça rentre en compte? Est-ce que ça fait partie des principes de composition du jardin? Et j'ai l'impression que non. Et quand on lit les traités de l'art de jardin, depuis la Renaissance, en fait, on parle du côté visuel du jardin. Encore une fois, n'hésitez pas à me contredire. Mais j'espère qu'on va parler des jardins en Orient, où j'ai l'impression que ça change complètement, dans le sens qu'on a du mal, en Orient, et peut-être pas que dans l'art des jardins, bien sûr, à isoler les sens et à mettre l'accent plutôt sur un sens par rapport au détriment des autres. Et qu'on est plutôt dans une vision holistique de l'expérience du jardin, qui comprend tous les sens, y compris ce qu'on pourrait appeler, nous, le sixième sens, dans quelque chose de plus intérieur, de plus intime, dans notre approche, dans la manière de vivre le jardin, quand on y est, pas de le penser, mais de le vivre, à travers tous nos sens et à travers notre sensibilité aussi, notre intériorité aussi.
Donc ça, là, il y a quelque chose qui reste à faire. Alors, j'ai cité la Villa d'Est. La Villa d'Est, on pourrait imaginer peut-être que c'est un jardin qui a été conçu à partir aussi, en essayant d'intégrer aussi la dimension sonore. Vous connaissez sans doute ce jardin à Tivoli. Quand on est dans ce jardin, on est entouré par une quantité de sons différents, en fait, de sonorités différentes qui sont liées à l'eau, puisque l'eau sort de fontaines sous toutes les formes possibles, de petits jaillissements, de bouillonnements, de cascades, enfin bref. Et on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'organise autour de ça. Et en plus, en se déplaçant, évidemment, la musique change, si on peut dire. Il y a aussi des références explicites dans le jardin, les fontaines musicales. Par exemple, la fontaine de l'orgue, que Montaigne décrit dans son journal, dans son voyage, quand il parle de son voyage en Italie, dans une fontaine, je ne sais pas si vous êtes allé, en plus on peut la visiter à la Villa d'Est, il y avait des orifices, des trous par lesquels l'eau rentrait dans une structure maçonnée, et l'eau actionnait après tout un système complexe qui faisait jouer l'eau et qui mettait en mouvement tout un système de levier, etc., qui permettait de produire des sons qui imitaient le son de l'orgue. Donc il y a référence vraiment à la musique. Et juste au-dessus, ou au-dessus ou à côté, je ne me rappelle plus exactement, il y a trois grottes dans lesquelles l'eau coule sur les parois de la grotte avec une intensité différente et qui évoque trois sonorités différentes de la pluie. Je ne me rappelle plus exactement l'orage, la pluie, le crachin, quelque chose comme ça. Donc là aussi, la dimension sonore et musicale dans un sens vaste est prise en compte et fait partie vraiment de la composition du jardin. On peut l'imaginer. On n'a aucune trace écrite. On ne sait pas comment Piero Ligorio, le concepteur de la Villa d'Est, a réfléchi dans ces termes-là. Mais c'est évident qu'il y a une réflexion. Mais à part ça, avec d'autres petits exemples contemporains, par exemple le jardin sonore de la Boirie, en Dordogne, qui n'existe plus malheureusement, qui a été dessiné par un paysagiste qui s'appelle Louis Dandrel, qui est décédé il y a quelques années et qui était un designer sonore. Mais lui, il a composé son parc avec d'autres personnes, avec un céramiste, avec un paysagiste, un jardinier, un botaniste. Mais la dimension musicale est intégrée dans la composition. Donc on peut même se demander si aller dans ce sens-là, explorer cette voie-là de l'apport de la musique à la composition paysagère ne pourrait pas être une bonne piste pour la création paysagère contemporaine. On a toujours le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment que on est en train de répéter un peu toujours la même forme dans les jardins, surtout en Occident. Donc peut-être qu'on peut ouvrir des chemins de recherche en intégrant les sens, pas uniquement lui, donc pas la musique, mais tous les autres sens dans la composition même, je répète. Donc, je vais laisser la parole à nos invités, mais il y a sans doute quelque chose de relation plus profonde qui se joue entre la musique et le jardin. Il y a des analogies, il y a une proximité entre ces deux arts, l'art du jardinier, du paysagiste et l'art du musicien. Ne serait-ce que parce qu'il s'agit dans les deux cas d'un art du temps. Il me semble que le paysagiste, le jardinier, utilise comme matière première, bien sûr, le végétal, l'eau, etc., mais aussi le temps. Et c'est ce que fait aussi, évidemment, le compositeur, le tempo. Alors, entre le tempo du musicien, bien sûr, et le temps du jardin, qui est le temps organique, bien sûr, le temps de la vie, on peut dire le temps biologique, qui est aussi le temps de saison, le temps climatique. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut faire attention à ne pas trop simplifier. Mais il y a quand même une proximité, une parenté plus intime, beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe, sans doute, et plus riche, et plus poétique, et plus créative. Qu'on ne l'imagine. Je voulais juste vous lire une petite phrase d'un article qui a été écrit pour la revue par l'historienne des jardins italienne Maria Adriana Giusti, qui a beaucoup travaillé sur les théâtres de verdure, qui écrit, excusez-moi, à la fin de son article, elle parle du jardin et de la musique, qui sont deux expressions spéculaires par excellence, donc le jardin et la musique, en ce qu'ils célèbrent dans un même souffle l'impermanence et l'éternité. Et là, j'ai l'impression qu'elle avait touché quelque chose d'assez difficile à dire, d'assez difficile à saisir, qu'on n'arrive pas d'ailleurs à saisir, mais qu'on peut approcher, et qui est justement ce qui rapproche vraiment, dans le vrai sens du terme, ces deux arts qui ont l'air assez différents, mais qui sont probablement beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine.
Donc, juste un mot sur ce numéro de la revue que vous pourrez acheter à la fin de notre rencontre. Excusez-moi de faire un peu de commerçant, mais donc il y avait notre ami Eric de Rubercy qui devait être là. Vous l'avez vu dans l'invitation, qui n'a pas pu venir pour les raisons que vous imaginez. Mais il n'a pas pu prendre son train en fait. Donc voilà, il le regrette. Et il aurait parlé de littérature. Et de musique et jardin, notamment deux auteurs qui, il y en a beaucoup. Hein. Encore une fois, la littérature, c'est un des partis pris, si vous voulez, de cette revue. La littérature peut nous donner vraiment des pistes de réflexion très intéressantes sur la compréhension du jardin et du paysage. Il y a un texte sur la musique des arbres à travers des citations de poètes et d'écrivains. Un article très intéressant, assez complexe, assez après à raconter, c'est de Rebecca Page, une historienne qui parle du tonos, de la question du tonos, concept grec qui vient de la musique, bien entendu, qui, pour les Grecs, signifiait la juste mesure, le sens de la proportion, de la juste proportion des choses, qui était à la base de la réflexion philosophique, comme l'explique Platon dans la République notamment, mais aussi de la pratique du monde, en fait, de la construction des objets, de maisons, de l'architecture, pas des jardins, parce qu'il ne parle pas des jardins. La bonne proportion, la juste mesure, c'est quelque chose d'assez difficile à saisir. Un grand problème, je pense, pour les paysagistes, voilà, quand on voit parfois la perfection de certaines formes et mesures dans les jardins de l'Antiquité ou de la Renaissance, encore d'où venait cette science, cette connaissance intime de la mesure de bonnes proportions, des murs, des allées, des escaliers. Et peut-être, donc Rebecca Page fait référence surtout à Ivan Illich, philosophe très intéressant, pas très lu malheureusement, qui parle du tonos chez les Grecs dans un article. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment un très grand sujet, mais elle parle de l'art perdu de l'écoute. Que le jardin nous permet de réapprendre. Et je pense que c'est tout à fait ça. Le jardin nous permet de réapprendre. Robert Harrison, vous connaissez peut-être ce critique américain, disait que dans le jardin, on réapprend l'art du regard qu'on a perdu, mais on réapprend aussi l'art de l'écoute. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est un sens atrophié ou qui est en train de devenir autre chose, sans doute. Il y a quelque chose, un texte très intéressant sur John Cage, de Stephen Whittington, qui est un compositeur et historien de la musique australien. Peut-être on va parler de John Cage tout à l'heure, parce qu'il a écrit des pièces musicales sur les jardins de Ryohanji. Et c'est très intéressant de voir comment un musicien, un compositeur, traduit, interprète un jardin en plus très distant, John Cage américain, Ryohanji c'est un jardin japonais, et comment ça se passe en fait, ce jeu de change entre un musicien et un jardin, là, un lieu. Donc je vous ai parlé de Maria Adriana Giusti qui a écrit un très beau texte sur un jardin viennois, une partie du parc, d'un parc urbain à Vienne, de Stadtpark, qui est consacré à la mémoire du compositeur autrichien allemand, et essaie de voir comment on a traduit dans la forme du jardin, on a transcrit presque dans la forme du jardin des formes musicales. C'est assez intéressant, c'est une interprétation tout à fait passionnante, je trouve. Donc il y a Éric Dussert qui est là, je vais vous parler de lui, et surtout lui va vous parler de son article, de ce qu'il a écrit. Il y a quelque chose sur Shimon Piscini, Joël Courniaux, un essayiste, écrivain, parle de ce professeur de chant américain au XIXe siècle qui faisait des partitions du chant des oiseaux. Qui lui, du coup, la question, est-ce que le son de la musique... Les bruits du jardin, les bruits de la nature sont de la musique. Lui, évidemment, il répondrait oui, puisqu'il faisait des véritables partitions qui sont presque des jardins eux-mêmes du son des oiseaux. Raffaele Milani, un philosophe italien, parle justement du jeu de correspondance qu'il y a entre le jardin et la musique. Edith de la Héronnière parle de Dandrel, du paysagiste que j'ai évoqué tout à l'heure. Mon ami Claude Ourguin parle un imaginaire musical, elle parle surtout de compositeurs qui se sont inspirés de la musique pour préciser que le jeu d'eau de la Villa d'Est de Liszt ne sont pas une représentation de la Villa d'Est. C'est pas un portrait, un tableau, c'est comme je le disais, une réponse du musicien au jardin. Et puis bon, depuis ce dernier numéro,
On a commencé à, on a pensé qu'on aurait pu ajouter à la fin une poignée d'articles de textes sur des jardins qui ne sont pas forcément en rapport avec le thème, donc la musique dans en l'occurrence. Mais je vous en parle parce que j'ai eu la chance de publier dans ce dernier numéro un texte d'une écrivain qui s'appelle Yvonne Panier, alors que je ne connaissais pas du tout, qui est complètement méconnue, enfin peut-être pas complètement, j'ai découvert qu'il y a quand même des personnes qui, toi qui connais les écrivains perdus, tu la connais sans doute, mais pas assez connue, et qui d'ailleurs a écrit très peu sur les jardins. Alors, mon ami Eric de Ribercy, un jour, quand on travaillait sur la revue, m'a proposé ce texte qui s'appelle Un jardin à Corfou. Donc c'est un jardin, donc il y a longtemps, bien avant que Corfou devienne le lieu touristique qu'il est devenu. C'est donc elle raconte ce jardin d'olivier avec une petite chapelle au fond. Donc on imagine que c'est un jardin le jardin d'un couvent. Donc là, je m'éloigne un peu de la musique. Je suis désolé. Je tiens à vous en parler parce que c'est typiquement le genre de texte que je suis plus qu'heureux de publier dans la revue. Parce qu'elle, c'est un texte vraiment littéraire dans le bon sens du terme, et poétique même dans le bon sens du terme. Pas parce qu'il y a des images poétiques ou un langage lyrique, mais c'est parce qu'elle utilise le langage et le récit, même parce qu'elle raconte le jardin au fur et à mesure qu'on avance au milieu de ce vieux olivier tordu pour faire apparaître quelque chose. Non pas pour raconter dans le sens, pour donner des éléments ou pour donner des images, mais pour faire apparaître quelque chose. Et ça, c'est, encore une fois, je le disais un peu au début, c'est le parti pris de cette revue. Et je voudrais juste terminer cette intervention en vous rappelant une phrase du poète René Maria Rilke que j'utilise souvent pour... quand je parle de la revue, parce que c'est vraiment dans cet esprit-là que je pensais que j'ai décidé de créer cette revue, en fait. Rilke, dans une des lettres aux jeunes poètes que vous connaissez sans doute, ce petit recueil de cette correspondance de Rainer Maria Rilke avec un jeune poète, il parle des œuvres d'art et il dit, je le cite, « La solitude qui enveloppe les œuvres d'art est infinie. Il n'y a rien qui permette le moins de les atteindre que la critique. Seul l'amour peut les appréhender, les saisir et faire preuve de justesse à leur endroit. » C'est un peu dans ce sens-là. Vous voyez, il y a vraiment une place pour... Voilà, c'est vraiment une approche poétique, littéraire du jardin, du paysage. Et c'est ce travail qu'on essaie de continuer. Et ces rencontres, j'espère, qui vont aussi dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment, c'est très ouvert. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a envie à chaque fois d'inviter, bien sûr, des professionnels de jardin, mais aussi des non-professionnels, si j'ose dire, c'est-à-dire des personnes qui ont croisé le jardin, qui ont sans doute approfondi la question, enfin, qui ont travaillé le jardin, et qui ne sont pas posé juste quelques questions, mais qui sont vraiment entrés dans le monde des jardins. C'est souvent ils ont souvent un regard très intéressant qui pour nous qui sommes depuis toujours dans ce monde du jardin, ça nous fait du bien aussi de temps en temps d'entendre, de voir un peu. Mais ça nous permet d'approcher le jardin de points de vue différents, de directions différentes. Donc voilà, j'ai peut-être parlé trop longtemps et je voudrais vraiment surtout entendre nos deux invités. Je ne sais pas par qui commencer. Peut-être vous, parce que vous nous faites écouter quelque chose. Donc je présente vraiment en deux mots, enfin en un mot. Jean-Luc Hervé, ce que je peux dire surtout sur Jean-Luc Hervé, qui est compositeur, qui a travaillé avec les jardins, mais c'est lui qui va en parler, c'est facilement plus précis. La seule chose que je peux dire sur Jean-Luc Hervé, c'est que j'ai découvert bien trop tard qu'il écrivait sur les jardins et sur la musique. Et si je l'avais su alors que je travaillais sur ces numéros de la revue, ça aurait été parfait, il aurait pu écrire, mais j'ai découvert ses textes après. Notamment un livre qu'il a écrit avec Anne Coquelin et un article dont je vais vous poser d'autres questions après. Mais voilà, si vous voulez parler de ce que vous faites, à mon avis, vous serez meilleur que moi. Merci. Merci. Bah, je suis d'abord très heureux de cette invitation. Je suis pas dans mon élément, enfin quoique, vous allez comprendre que j'ai quand même, j'ai rencontré effectivement le monde du jardin depuis un certain temps. Alors je voulais d'abord vous dire, donc moi je suis, vous expliquer ce que je fais en fait, mon activité. Donc je suis compositeur, ce qu'on dit de musique contemporaine. Donc j'écris des partitions, enfin je suis un peu dans la tradition de la musique classique, mais aujourd'hui
Donc je suis vraiment, il n'y a pas d'art plus abstrait que la composition musicale, puisqu'on est on passe son temps devant son bureau avec des feuilles de papier réglé ou pas d'ailleurs et des crayons, et on écrit de la musique qui ensuite est interprétée par des musiciens. Mais l'essentiel de mon travail, évidemment, moi je joue un peu d'un instrument, mais je suis un écrivain de la musique. Hein. Et alors évidemment aujourd'hui, les outils, enfin en tout cas, on n'écrit pas uniquement pour des interprètes, des musiciens, on écrit aussi pour toutes les outils technologiques qu'on a à notre disposition, les sons qui passent par les haut-parleurs et tous les systèmes de diffusion. Voilà, donc toute la technologie est aussi abordée dans mon travail. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tant que compositeur, donc comme vraiment je compose en fait la musique, et j'ai une approche, par exemple, qui est assez différente des artistes sonores qui aussi font quand ils travaillent avec des haut-parleurs, font des sons, enfin des compositions artistiques avec les sons. Mon approche, la mienne, est vraiment une approche de composition musicale, donc qui intègre une idée du temps, par exemple, une idée de la forme, qui est propre à la musique. Alors voilà, donc c'est un domaine qui paraît très loin du jardin. Alors pourquoi je suis invité ici et pourquoi je me suis intéressé au jardin? Donc il y a eu plusieurs rencontres. Alors la première rencontre, c'est un séjour que j'ai effectué au Japon, à Kyoto, dans une résidence artistique. Et je dois dire que j'y allais sans aucun a priori, enfin sans même aucune connaissance particulière, et j'ai été émerveillé, enfin, en tout cas une expérience très forte de la culture japonaise traditionnelle, et notamment de la culture des jardins. Il faut savoir que la culture des jardins, bon, peut-être on en parlera tout à l'heure avec John Cage, mais en fait il y a énormément de choses, il y a plusieurs manières de les appréhender, et moi il y a une chose qui m'a frappé, enfin, notamment, alors j'ai essayé de mettre des images et ça marche. Non, mais il faut. Je pose mon nez. Je mets des lunettes. Et puis je vais essayer. Alors. Il faut le rallumer. Par contre, je ne sais pas. Oui, d'accord, il faut que je rallume. Alors attendez, une petite. Ah, ok, d'accord. Alors voilà. Ok. Non. Est-ce que je rebranche ou qu'est-ce que je fais? Là, il propose le petit module. Non, il propose plus là, justement. Ah, ouais. Rebranché, oui, c'est ça, oui. Okay. C'est comme une fille de dessin. Voilà. Ok. Alors. Ouais. Voilà, ça marche. Voilà. Alors, je continue. Donc, oui, donc. Voilà. Alors. Donc, voilà. Donc, en fait, bon, moi, je est-ce que ça marche? Oui, voilà. Donc, c'est cette rencontre avec ce type de jardin qui m'a marqué, en fait, sans savoir exactement ce qui se passait, enfin, les techniques qui étaient en jeu. C'est un jardin du nord de Kyoto, il y en a deux comme ça. Et en fait, ces jardins sont construits. C'est une technique que j'ai appris par la suite qui s'appelle le shakei, qui est le fait de construire un jardin en fonction du paysage qu'il y a en fond. Ici, on voit en fait que bon, d'abord, ce qui est le plus évident, en fait, c'est la haie, les troncs des arbres et les colonnes du temple, en fait, cadrent cette montagne qui est en fond.
Et cette montagne, elle est, c'est une montagne sacrée, en fait. C'est la montagne avec les esprits des ancêtres. C'est le mont Iei, à Kyoto. Et en fait, là, on ne voit pas très bien sur la photo, mais toute la construction du jardin, toute la construction des pierres, l'alignement des pierres et des buissons, crée une ligne de perspective, une fausse ligne de perspective, qui conduit le regard vers le cadre de la montagne. Et en fait, alors il y a cet exemple-là, puis je vous en ai mis un autre aussi à Kyoto. Et là, on voit très bien, vous voyez, qu'en fait, toute la construction du jardin, même au-delà du mur, en fait, cadre toujours la même montagne, le mont Iei. Et voilà. Et donc, quand moi, je me suis trouvé en face de ce type de redart, j'étais saisi par la force d'une œuvre d'art qui dialogue avec le monde réel, avec l'environnement naturel. Et évidemment, en musique, je me sentais un petit peu ailleurs, parce que la musique est jouée dans des salles de concert, et on est au contraire isolé du monde. Et donc voilà, ça c'est ma première réflexion et mon premier chemin pour imaginer des projets musicaux un peu différents. La deuxième chose, ça a été, une amie m'a offert un petit livre d'Anne Coquelin, le Petit traité du jardin ordinaire. Et j'ai lu ce livre et j'étais frappé par les similitudes de ces idées avec mes propres idées de compositeur, la manière dont je travaille, la manière dont je voyais les choses, le monde, et surtout les idées que j'avais dans la tête après ce séjour à Kyoto, cette idée de se poser la question sur le site, sur le rapport au contexte, hein, le rapport à ce qui nous entoure. Et puis, troisième stade en fait de cette relation au jardin, je suis rentré à Paris ensuite et on m'a proposé, comme je parlais un petit peu de mon expérience du Japon, de réaliser un jardin sonore à Paris avec une agence de paysagistes. Alors j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ce projet qui finalement ne s'est pas réalisé, mais dans une optique qui était d'avoir une approche de musicien, de compositeur, c'est-à-dire de proposer, alors là c'était un jardin uniquement avec des haut-parleurs, hein, mais de proposer une œuvre musicale où il y ait cette dimension vraiment musicale du temps, de la forme, ce qui n'était pas du tout évident. Alors, ensuite, j'ai par contre réalisé une pièce au retour de mon séjour au Japon, et c'est ça dont je vais vous parler d'abord, une pièce qui s'appelle Germination, et qui était en fait au départ l'idée, c'était cette idée de, je voulais en fait essayer d'imaginer une œuvre qui soit faite pour un lieu et qui soit en relation avec ce qu'il y a autour du lieu. Et ce lieu, c'est un endroit qui est très connu chez les compositeurs, qui est l'IRCAM à Paris. Alors l'IRCAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu très, très célèbre chez les compositeurs. Ça s'appelle l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique. C'est une espèce de lieu utopique qui a été créé dans les années 70 par Pierre Boulez et qui réunit des chercheurs et des musiciens, et qui travaillent sur des projets comme ça, cette espèce de prospective autour de entre la science et la musique. Et à ce lieu, donc, il est situé ici, et il est totalement caché du grand public. Il est dans un lieu qui est très, très passant, très, très, où il y a beaucoup de touristes. En fait, c'est cette école, ancienne école, là. Donc, il est caché dans une école. Et l'essentiel de l'activité de cet institut, de l'IRCAM, a lieu en sous-sol, sous cette place Stravinsky. Et donc, j'ai eu l'idée, mon projet, c'était ça, c'est la maquette du bâtiment, de faire une pièce qui commence dans la salle de concert de l'IRCAM, dans le sous-sol, qui est ici, vous voyez, et qui continue son existence, qui continue à se développer à l'extérieur, dont les sons traversent la surface et continuent à l'extérieur. Et là, je me suis dit, ce mouvement depuis le sous-sol vers la lumière du jour, c'est celui de la germination. Voilà. Avec la plante qui commence son développement dans le sous-sol, et qui continue son développement, qui traverse la surface et qui continue un deuxième stade de développement à la lumière du jour. Et donc, l'œuvre en question, c'est Germination, c'est une pièce en deux parties. Vous voyez, donc il y a une partition qui est, dans un premier temps, jouée par des musiciens dans la salle de concert. Et puis,
à la fin de cette première partie, donc le public sort par les escaliers et arrive sur la place Stravinsky, et la musique continue à jouer à travers des petits haut-parleurs, où on en voit quelques-uns. Voilà, des choses très très discrètes comme ça. Il y en avait 50 petits haut-parleurs qui continuent la musique de l'œuvre. Alors, mon souci, c'était je voulais matérialiser cette idée de cette germination, et en même temps, je voulais cacher le plus possible toute cette technique, hein, même si c'est des tout petits objets. Et je me suis posé la question, et donc j'ai interrogé les gens que je connaissais autour de moi, et j'ai finalement travaillé avec une paysagiste, Astrid Verspieren, et on a fait un projet ensemble de germination. Alors ça c'est autre chose. Peut-être je vais vous parler d'abord. Alors peut-être on va d'abord parler de la germination, voilà, la germination de la place Stravinsky. Vous voyez, donc on a imaginé que si on laissait cette place sans la nettoyer, eh bien en fait l'accumulation des petites particules végétales entre les espaces entre les dalles produirait de l'humus, et sur cet humus il y aurait une croissance végétale. Donc en réalité ça a été construit parce qu'en fait la mairie de Paris ne nous a pas laissé l'autorisation de ne pas nettoyer la place pendant 3 mois. Mais donc voilà, on a réalisé ce jardin, en fait, cette germination, dans laquelle donc avait lieu la seconde partie de la pièce de ma pièce. Alors, je vous en reparlerai après de ce travail, parce qu'on a fait d'autres réalisations pour cette pièce dans d'autres endroits. Et je voulais dire simplement un mot de. Je voudrais revenir un petit peu, faire un tout petit peu de musique et dire que à partir de, enfin, expliquer un petit peu de ma manière de travailler, moi, ma relation. Là, c'est plutôt au monde végétal qu'au jardin, mais avec cette idée de germination, j'ai cherché des idées pour ma composition musicale, et j'avais trouvé une propriété dans la croissance des racines. Qui est, là vous avez un petit dessin comme ça, qui indique que quand une racine grandit, elle grandit plus par le centre de la racine et pas par le début et pas par la fin. Donc au début, si vous tracez des traits à distance égale sur une petite racine toute jeune, à la fin, vous voyez que ces traits sont petits au début, un peu plus espacés ensuite et à nouveau plus rapprochés. Et puis bon, bah, j'ai utilisé en fait dans ma pièce ce modèle. Hein, c'est vraiment un pattern en fait, une structure pour la composition musicale. Alors je vais pas vous assommer de notes et de toutes sortes de choses, mais juste vous montrer un petit exemple, c'est que en fait, par exemple, j'ai construit des gammes, une sorte de gamme, vous voyez, où là vous voyez des notes qui sont écrites et où les intervalles entre les notes sont petits au début, puis un peu plus grand ensuite, puis à nouveau plus petit. Et pareil pour le temps musical, le temps entre deux notes au début est court, puis un peu plus long, puis un peu plus petit. Voilà. Et donc, c'est toute cette pièce instrumentale a été construite avec ce modèle. La forme aussi a été construite avec ce modèle. Alors, c'était juste faire une petite parenthèse, excusez-moi, un peu technique. Et je continue avec mes histoires de jardin. Donc voilà, donc nous avons réalisé ce jardin. Alors, en réalité, cette construction a été... j'ai découvert plein de choses avec ça, en fait. J'ai découvert que cette pièce, en fait, allait plus loin qu'une seule simple place musicale, puisqu'elle avait d'autres dimensions, des dimensions, participatives, on va dire, de plusieurs manières. Alors, je vous donne un autre exemple, parce que cette pièce, on l'a reprise à plusieurs endroits, dans plusieurs lieux, et chaque fois, la pièce instrumentale est la même. Mais par contre, évidemment, comme on travaille par rapport au site, par rapport au contexte, on est obligé de repenser complètement la seconde partie de la pièce et de réimaginer une autre architecture, un projet paysager. Un autre projet a été fait par exemple à l'Opéra de Lille. Là, nous sommes restés à l'intérieur de l'Opéra, mais il y avait donc la pièce instrumentale a été jouée dans la salle de l'Opéra, et la seconde partie
donc jardinière, on va dire, était diffusée dans les coursives de l'opéra. Et on avait imaginé un système avec des mini tapis de germination. Le dallage de l'opéra, ce sont des grandes dalles blanches, puis vous avez des petits cabochons noirs. Et on s'est dit, bah, ces petits cabochons noirs, c'est une sorte de terre, en fait, comme si c'était de la terre. Donc on a placé sur chacun des cabochons un petit carré de support, et on a fait germer des graines. On en a fait 1300. On ne les a fait pas tout seul, évidemment. Et on les a placés, on les a disposés sur un dessin dans toute la surface de l'opéra. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, ce type de projet, c'est toute une production, on va dire, et c'est toute une partie participative. Et notamment, voilà, bon, là, c'est là, lorsqu'on avions travaillé à Lille, nous avons travaillé avec une école d'horticulture, une école de jardiniers, et on avait imaginé, enfin, c'est surtout la paysagiste avait imaginé donc ces structures de supports. Ce sont des petits supports, vous savez, en fibres sur lesquels on plante des graines pour les faire germer. Donc là, il fallait les découper au format des cabochons. Il y avait des problèmes de sécurité, parce que si on posait ça directement sur le dallage de l'opéra, les gens auraient pu glisser. S'il y avait des accidents, ça aurait été embêtant. Donc heureusement, quand vous travaillez avec une maison d'opéra, vous avez toute une production possible. Et l'opéra avait fabriqué des petits supports en silicone antidérapant, 1300, sur lesquels on plaçait les tapis de germination. Et puis nous avions l'école des tous les jardiniers qui ont participé donc à la mise en culture de ces il y a tout un travail, évidemment, d'expérimentation, parce qu'il fallait trouver les graines qui allaient bien marcher, il fallait trouver les couleurs. Donc il y a vraiment à chaque fois un travail de paysagiste et d'expérimentation. Et puis le jour du concert, bon, j'ai pas les photos, c'est vraiment toute une organisation avec des armées d'étudiants qui viennent installer les, parce que ce que je vous ai dit, c'est que l'idée de la pièce, c'est de le public va au concert, il voit rien de spécial, et quand il sort, tout d'un coup, la musique a fait germer le lieu. Hein. Donc, il fallait installer ces 1300 tapis pendant le concert, et c'est toute une organisation assez compliquée. Il y a la partie purement sonore. Alors, attends. Mais ça, je dis comme ça, parce qu'il faut aussi mettre en route ces 50 haut-parleurs. Donc, c'est aussi une autre équipe. Donc, il y a tout un aspect un peu participatif dans cette œuvre. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qu'on s'est rendu compte avec la paysagiste, c'est que cette dispositif que nous avions réalisé à Beaubourg, eh bien, évidemment, quand vous faites quelque chose dans l'espace public, il se passe il y a des relations avec les passants. Et là, vous voyez cette dame, en fait, qui herborisait notre jardin, qui ramassait les plantes, et qui, tout d'un coup, le public devient sensible au lieu à travers ce projet, qui est un projet musical au départ. Donc, en fait, cette œuvre de germination allait beaucoup plus loin que je l'avais imaginé, et avec des prolongements comme ça d'art participatif, de sensibilisation à l'idée de jardin, qui est évidemment qui prolonge d'une manière assez belle, je trouve, c'est un projet musical. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, je voulais vous parler d'une autre œuvre. Alors, ce que je vous ai pas dit, j'ai été un peu vite, oui, mais cette pièce germination et ce projet de jardin sonore, évidemment, j'en parle beaucoup dans ce livre dont Marco a parlé, qui est un livre d'échange avec la philosophe Anne Coquelin. Donc, après avoir lu son livre, un ami m'a mis en relation avec elle, et nous avons échangé, et puis c'est devenu un livre, voilà, qui est ici, et où en fait, de mon côté, j'ai publié les textes sur mes travaux que j'ai réalisés en relation avec le jardin. Anne Coquelin a écrit des textes sur le jardin et la musique, et puis un échange d'idées à travers des extraits d'emails. Et puis vous avez aussi une petite carte SD dans ce livre, avec une pièce sonore enregistrée, qui est une pièce radiophonique qui raconte
toute cette idée de tout ce projet de jardin sonore à Paris, qui n'a pas eu lieu, mais d'une manière un petit peu poétique et musicale. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse. Et donc je parle aussi de cette pièce Éloge de la plante que j'ai réalisée ensuite. Alors Éloge de la plante, donc après toute cette expérience de jardin, je suis devenu un musicien un peu spécialiste des jardins et je passe un petit peu tous les détails, mais il m'est arrivé de faire des masterclass dans des écoles de paysagistes. J'étais membre de jury de paysagistes à Versailles, enfin des trucs assez hallucinants. Et donc j'ai lu beaucoup de textes sur les jardins, notamment ce magnifique livre de Francis Allais sur le monde végétal, qui est un monde qui donne des idées pour les artistes et pour les musiciens que je suis, formidables, hein, sur la croissance des végétaux, la manière dont ils se développent, qui est très différente de celle des animaux. Et ça, c'est devenu une œuvre qui s'appelle Éloge à la plante, alors, qui est une pièce que j'ai... Alors, c'est pour que je retourne un petit peu l'histoire. Là, ici, c'est l'abbaye de Royaumont, qui est de rencontre où vous avez donc des artistes en résidence et vous avez des manifestations culturelles, concerts et danse essentiellement. Et vous avez toute une partie de jardins qui ont été vraiment refaits depuis une dizaine d'années, dont un jardin qui s'appelle le jardin des Neuf Carrés, qui a été fait par cette paysagiste Astrid Verspiron et Philippe Simonet, dans lesquels toujours entendre une mini-installation sonore que j'ai réalisée, qu'on peut entendre, qui tourne toujours. Et pour ce lieu, j'ai imaginé une pièce d'écriture, hein, pour inaugurer cette installation sonore. Et cette pièce, c'est une pièce pour une chanteuse lyrique, hein, d'opéra, hein, et un système de haut-parleurs cachés dans le jardin. L'idée de la pièce, c'est l'idée que la musicienne est chanteuse, et une musicienne, une chanteuse, mais c'est aussi une sorte de magicienne, c'est une botaniste un petit peu, et qui en fait parle aux plantes. Hein. Elle dans la pièce, c'est en fait elle fait qu'énumérer le nom des plantes. Hein. D'ailleurs, le texte de l'œuvre, c'est celui-ci. Vous avez, c'est que le nom des plantes en latin. Alors, il se trouve que c'est le nom des plantes qui sont plantées dans le lieu où on a réalisé la performance. Hein. Je veux dire que quand la pièce est reprise, je triche un peu. Il n'y a pas toujours les mêmes plantes, mais bon, ce sont des plantes assez communes. Hein. C'est des plantes. Il y a des framboisiers. Si je me souviens bien, des choses comme ça. Enfin, je regarde les spécialistes regardent le nom des plantes. Donc, il y a uniquement le nom des plantes en latin et des textes de description botanique de plantes ou des propriétés des plantes que j'ai trouvées dans une flore, hein, voilà, et qui sont dites en français. Et donc, en fait, la chanteuse dit ces noms de plantes en latin, mais de manière un peu particulière. Hein, ça devient un peu des formules magiques. L'idée musicale est assez simple. Elle commence par émettre que les sons bruités, que les consonnes, hein, et peu à peu, la voix se colore avec les voyelles, et ça devient une vraie chanteuse, on va dire. Hein. Alors qu'au début, c'est une sorte de magicienne qui produit des sons avec sa bouche. Hein, et par moments, elle tape dans ses mains. Et quand elle tape dans ses mains, eh bien, les plantes lui répondent. Et donc, les haut-parleurs cachés parmi les plantes diffusent des sons et on a l'impression, enfin, c'est une espèce très imagée, que le jardin, en fait, s'éveille, hein, et ça devient une espèce de grand environnement magique avec des sons. Et alors, cette idée de taper dans les mains et pour parler aux esprits cachés qui nous entourent, c'est aussi une idée japonaise, hein, parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans la culture japonaise, c'est tout cet aspect animiste en fait de ces cultures, vous savez, où on en parlera peut-être tout à l'heure si on parle des questions. Enfin, le jardin, la nature comme le jardin, en fait, n'est pas un lieu extérieur comme ça,
un espèce de décor sur lequel on vient intervenir, mais il est habité par des multiples présences. Philippe Descola dirait des existants non humains, quand il parle des cultures non occidentales, non naturalistes. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, il faut que je prenne dans les mains, merci. Et donc au Japon, moi j'avais remarqué que les Japonais, le week-end, quand ils allaient dans les jardins avec des étangs, eh bien, ils s'approchaient des étangs et ils tapaient dans leurs mains pour attirer les carpes. Et les carpes venaient les voir. Et ensuite, je me suis rendu compte, en parlant avec des amis japonais, que, en fait, ce geste de taper dans les mains, c'est un geste aussi religieux dans les temples bouddhistes. Et c'est un geste pour réveiller les dieux. Et vous savez qu'il n'y a pas un seul dieu dans les temples, il y en a plein, il y a des dieux pour toutes choses, des choses et d'autres. Et notamment, il y a un dieu qui est assez spécial, c'est le dieu de l'industrie, qui est très très sourd, donc il faut taper très fort dans ses mains pour le réveiller, et après lui dire ce qu'on a à lui dire. Voilà. Et donc en fait, j'ai repris cette idée dans cette pièce, et la chanteuse, par moment, donc, tape dans ses mains et écoute le résultat. Alors, donc ça, c'est les images un petit peu... Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand on joue cette pièce, j'aime bien la précéder d'une vraie visite botanique du jardin. Alors ici, au Royaume-Uni, il y avait à l'époque aussi une magnifique botaniste, enfin jardinière, qui parle magnifiquement du lieu. Et donc, en fait, la visite commençait par une visite du jardin et ensuite... La parole était passée, si je puis dire, à la chanteuse qui continuait cette visite de manière un petit peu plus étrange. Et donc, vous voyez, ce n'est pas du tout une situation de concert, mais c'est une vraie partition. Hein. La chanteuse a une vraie partition qu'elle joue à moitié par cœur, extrêmement compliquée. Et à la fin, d'ailleurs, elle a des partitions cachées sur des petits cartels qui imitent les noms des plantes, en fait, pour pouvoir suivre sa partition. Et bien voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ce que je peux vous proposer d'écouter un tout petit bout de cette pièce peut-être pour vous donner un petit peu une idée si on a le temps, je sais pas, et si ça marche. Alors je vais essayer de trouver ça. Voilà. Alors ça c'est le début. Donc, où vous entendez en fait cette... C'est très faible, hein, c'est vrai. Et donc là, ce qu'on entend, c'est simplement les consonnes des noms latins, mais qui sont traitées musicalement, en rythme. Hein. Et ça, vous avez par moment donc ces sons enregistrés qui apparaissent dans l'environnement. Alors là, on l'a entendu frapper dans ses mains. Et là, vous avez tout un passage avec uniquement les sons des plantes, si je puis dire.
Alors, pour moi, c'est aussi une expérience assez intéressante parce que cette œuvre est paradoxalement, alors, on l'a beaucoup jouée. C'est de la musique assez exigeante, hein, comme vous pouvez l'entendre. Mais le fait de la jouer d'abord dans l'espace public et dans des jardins, en fait, on l'a jouée un petit peu partout en France. Hein. On a joué aussi dans des serres, ça marche très bien dans des serres. On a joué au Muséum de l'Histoire Naturelle, dans la grande serre tropicale. Le contexte est un contexte qui n'est pas de salle de concert et l'écoute est différente. Voyez et en fait, le secret pour un compositeur, c'est de susciter l'écoute chez l'auditeur. Et pour moi, en fait, tout ce travail avec le monde végétal, avec le jardin, c'est une manière d'inviter, en fait, de réinviter à écouter d'une manière attentive, en fait, ce qui nous entoure. Et d'en profiter pour faire entendre, en fait, enfin, de proposer, de faire des propositions musicales dans un contexte qui est différent de celui des salles de concert. Voilà. Oui, mais pas à moi, plutôt à Eric. Merci beaucoup, c'était évidemment passionnant. Et là, on s'est apparemment éloigné de l'art des jardins, mais pas vraiment, en fait. On était en plein dedans, en permanence. C'est un exemple de ce que je vous disais, on regarde les jardins d'un point de vue un peu décalé par rapport à celui auquel, je sais pas, j'imagine qu'il y a pas mal de professionnels du jardin ici. Et ça, c'est absolument merveilleux, je trouvais. En plus, le travail est absolument passionnant, ce que vous faites. Ça ouvre des perspectives, c'est absolument passionnant. Mais ce que Eric Dussert va nous dire, c'est très, très intéressant aussi, j'en suis sûr, parce que je connais l'article qu'il a écrit sur... Donc, Eric Dussert est essayiste, critique littéraire, musicien un peu, on peut dire ça ? Autrefois, oui. Autrefois. Comme moi, quoi. Enfin, je joue plus que de la guimbarde. Donc c'est ça. Comme moi. Et du gong. Mais il y a un an, au Salon de la Revue, j'avais commencé à travailler sur ce numéro de la Revue Jardin. Et Eric m'a parlé de la green music, un mot qui était complètement... Non, je ne l'ai pas prononcé comme ça, j'ai dit la musique verte. Ah bon ? Oui. Mince. Ouais. Dans le texte, c'est la musique verte. Oui, oui. Okay. Mais ça existe bien dans l'anglais ou c'est... Peut-être, mais moi je t'ai parlé de la musique verte. Oui. Mais j'ai fait des recherches et il me semblait que j'avais trouvé ça comme. Mais bon, peu importe. Ah oui, ça, c'est sans doute. C'est, mais vraiment, musique verte ou music, green music, ça reste. Je ne connaissais pas. J'avais entendu parler de ça. Et donc, du coup, voilà, donc il m'a proposé de. Enfin, on a discuté de l'article, de texte qu'il a après envoyé. Et là aussi, on pourrait avoir le sentiment qu'on s'éloigne du jardin, mais en fait, vraiment, pas vraiment, en fait, jamais tout à fait. Et c'est une manière différente de regarder le jardin. Alors, ça, c'est plutôt la nature, enfin, on peut dire. Oui, là, c'est clairement la musique et la nature. C'est l'interaction des deux. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est allumé. C'est allumé, je l'ai posé contre le menton, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, je vais parler plus fort. La musique verte, c'est, on pourrait définir ça comme, en deux mots, c'est l'art brut de la musique, en fait. Hein, c'est la nature qui produit sa propre musique, ou en tout cas qui fournit les éléments qui permettent de faire de la musique. Mais ça ne servira à rien, il ne marche pas, je pense. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Oui, ça marche mieux. Hein, quand, voilà. En fait, la musique verte, on la pratique dès qu'on est enfant, quand on prend une feuille, un brin d'herbe et qu'on souffle dedans et qu'on siffle. Voilà, ça, c'est de la musique verte. C'est quand on prend deux bouts de bois et qu'on tape dessus. Voilà, la musique verte, c'est pas grand-chose, en fait. Hein, c'est de la musique produite... C'est de la musique produite avec des matériaux qu'on a récupérés dans la nature, qu'on a trouvés. Voilà. C'est aussi une question de tempo, hein, de temporalité, de tonalité. Voilà, ça peut se construire et ça peut aussi s'enregistrer. On a beaucoup d'ethno-naturalistes qui enregistrent de la musique. Vous devez avoir des
toute cette école du bien-être qui produit beaucoup de livres et beaucoup de disques. On a beaucoup de il suffit d'aller à la FNAC pour avoir des disques sur les bruits de la pluie, les bruits du vent, les bruits, etc., qui sont des éléments très, très, très pacifiants. Hein. On en parlait tout à l'heure, le jardin comme vecteur de sérénité, de retour sur soi. Voilà, mais ce n'est pas seulement ça. Petit à petit, la musique verte s'est tendue à la musique savante et à la musique élaborée. Donc on a des gens comme John Cage qui ont épilé des cactus pour en capter le son. Et puis on a des gens qui ont enregistré les bruits de la forêt, etc. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement le merle qui nous réveille tous les matins avec son chant. J'ai du mal, moi, à imaginer que le merle ne chante pas, en fait. Il a quand même une production sonore quand même extrêmement élaborée et changeante. On dit que le merle ne chante jamais deux fois la même partition. Donc c'est un esthète. Voilà. Donc toutes ces choses produisent quelque chose qui, entre les sons qu'on accueille du vent, par exemple de l'air, de la pluie, des animaux, des bois, et pourquoi pas les grondements du sol, tout ça c'est de la musique verte. Et ensuite ça peut être élaboré, ou enregistré, ou élaboré donc par des compositeurs. Voilà, donc c'est une espèce de discipline un peu à la fois ethnographique, zoologique, un peu mystérieuse, et ça rejoint un petit peu ce panthéisme qui nous fait vivre, pour ceux qui aiment ça, dans un monde entouré d'esprits et de créatures. Tu parles aussi, à un moment donné, de chamanisme. Ah oui, bah on est très très proche du chamanisme, évidemment, hein, puisque et d'ailleurs, il est dédié à une amie sibérienne qui est petite fille de chaman et chamane elle-même. Le bruit des bois qu'on choque et les bruits des animaux, la reproduction humaine de la voix des animaux constitue un élément extrêmement fort du chamanisme. Mais là, on sort un peu de la musique verte. Hein. On est plus vers quelque chose de religieux, voilà. Tu as cité John Cage, tu sais que, enfin, on en avait parlé, j'aurais bien aimé que tu... Je ne sais pas si tu es vraiment un expert de John Cage. Alors, en fait, je suis ici tu de connais manière son... tout à fait illégitime. puisque on est tous légitimes, t'inquiète pas. Mais tu connais sans doute mieux que moi. Et je pense que non. Pas forcément Orion Angi, je ne sais pas peut-être si vous connaissez. Vous connaissez. C'est la partition, et puis en plus, Orion Angi, c'est des dessins. Une composition et une partition aussi qui est assez travaillée, qui est assez... je trouve ça très étonnant. On peut parler aussi de Christian Wolff, hein, qui a travaillé avec des pierres. Ça, c'est encore plus une partition. J'aimerais bien voir. J'ai jamais eu la curiosité de voir sa partition, mais ça doit être quelque chose d'extrêmement élaboré. Je crois qu'on avait mis deux... On a la possibilité d'écouter deux bouts de... D'abord, un petit morceau de musique verte, c'est-à-dire des enregistrements où les éléments naturels vont finir par produire des bruits, et pas uniquement un son de pluie ou un son. Voilà, les sons se composent. Et ensuite, on entendra peut-être un petit bout de l'épilation des cactus par John Cage, qui s'appelle Branche. Les cactus n'ont pas souffert, paraît-il. On s'inquiétait. Non, par l'autre. Si ça passe mal, c'est pas grave. Vous trouverez ça sur YouTube. C'est un monsieur qui s'appelle Bosseur, qui est un électromusicologue. Oui, mais c'est haché un peu, je pense. Ouais. Et on peut écouter peut-être maintenant plutôt.
là, on constate qu'on n'est pas très loin de la musique conceptuelle. Ou voilà, on n'est pas. C'est une composition, hein, c'est un travail compilé de sons. Et il y a une véritable élaboration. Alors, ça travaille aussi beaucoup sur la boucle, hein, sur la répétition des sons, etc. Donc, on retrouve les mêmes éléments de composition dont parlait Jean-Luc, hein, en sans doute beaucoup moins élaboré. Et on va passer à John Cage, donc, qui a enregistré, lui, le son et amplifié le son du retrait des épines de cactus. Mais là encore, le temps que tout ça charge, vous avez tout ça sur YouTube, c'est pour finir la soirée. Mais on entend quelque chose, on est censé entendre. Oui, on entend des choses. Bon, bah c'est le son, il est son. Bah oui, il était. Oui, on l'a entendu tout à l'heure. Ah oui, c'est très faible, d'accord. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est nous, non. Bon, on va peut-être. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est. On a. On va. Vous ferez ça à la maison. Ça, c'est pas les cactus. Non, ça, c'est pas les cactus. Non, c'est les cactus, pas les cactus qui se révoltent. On va arrêter là. Non, ça va. Vous avez compris, vous avez quelque chose à faire ce soir. YouTube, John Cage, cactus, et on tombe là. Bah oui, ils sont pas amplifiés. Non, mais voilà, c'était. L'idée n'était pas de vous faire, de vous présenter ça. Voilà, on a compris l'idée. Et puis voilà. Donc, si je comprends bien ce que tu as dit tout à l'heure, pour toi, par exemple, la question qui se posait au début, il y a une musique du jardin, de musique de son, ce qu'on appellerait plutôt de son, si on voulait être. Pour toi, c'est de la musique déjà. J'ai la chance d'être pourvu d'une paire d'acouphènes absolument formidables. Donc la musique, je l'ai moi tout le temps. Donc, mais c'est de la musique minimaliste, voire électronique minimaliste. J'ai deux sons dans les oreilles à cause des concerts mal maîtrisés de ma jeunesse effrénée. Et oui, la musique, elle est partout. Elle est partout. Elle est en particulier lorsque on choisit de se placer dans ce monde panthéiste où il y a des esprits qui produisent, hein, où on peut communiquer avec les carpes, où le vent produit du son. Après, c'est une question de sybaritisme, c'est le luxe des sensations. On profite de toutes les sensations que le monde nous donne, et dans ce cadre-là, on peut apprécier la fraîcheur de l'air, mais aussi la musique qu'elle nous apporte. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que... Pardon, il y a de la musique savante, il y a de la musique populaire, il y a de la musique électronique. Voilà, la musique se décline et une de ces musiques, c'est de la musique verte. Voilà. Et ce qu'on a entendu de l'album de musique verte, justement, c'est que ça s'élabore. Hein, ça s'élabore. Alors ça donne des choses sans doute moins complexes que ce que Jean-Luc nous a fait entendre. Mais... C'est un disque qui date des années 70, 79, je crois. Donc les choses progressent et évoluent. En tout cas, on voit bien que l'idée naturelle est intervenue violemment dans la musique, quand même. D'accord. Très bien. Bah, c'est très intéressant, évidemment. Ce n'est pas la green music, c'est la musique verte. Et par contre, John Cage, je vais bien revenir. Donc peut-être. Je pense que Jean-Luc va être beaucoup plus pertinent. Peut-être Jean-Luc, il a. Est-ce que c'est Ryo Hanji d'ailleurs la composition de John Cage la plus intéressante de ce point de vue-là? Parce que John Cage était jardinier. J'ai découvert ça. Jardinier dans le sens qu'il tous les matins, il commençait sa journée de travail en arrosant ses plantes.
à New York, dans son balcon. Bon, il était aussi spécialiste de champignons. Il y a son livre sur les champignons, absolument magique. Et il avait choisi la musique parce que musique, ça venait après Mushroom dans le dictionnaire. Voilà, ça explique un petit peu tout, tout John Cage. Alors après, moi, je ne suis pas un spécialiste de John Cage. Alors je sais qu'il a fait cette pièce, le Rio Anji, mais je ne peux pas... Alors, ce que je peux dire, moi, sur le Rio Anji, que j'ai été voir, évidemment, quand j'étais à Kyoto, c'est qu'effectivement, il a, c'est un des rares jardins zen, enfin des rares, en tout cas, où il y a des structures très visibles, notamment la série de Fibonacci qu'on peut trouver dans la composition des pierres. Et quand on parle de Fibonacci, évidemment, ça intéresse les musiciens aussi. Et j'imagine que John Cage a ses ruées sur ses proportions de Fibonacci pour imaginer son œuvre. Il faut voir que dans la pensée de John Cage, il y a toute cette pensée un petit peu nord-américaine de liberté et de d'aléatoire aussi, hein, qu'il a retrouvé dans le bouddhisme zen. Moi, j'ai trouvé tout à fait autre chose. J'ai trouvé le rapport au paysage. Voilà. C'est assez intéressant, par exemple, dans la ce que vous disiez tout à l'heure, le paysage emprunté dans les jardins japonais, c'est-à-dire on intègre la montagne, par exemple, le paysage des environs, les paysages naturels, à l'intérieur du jardin. Et ça fait penser un peu à ce que faisait John Cage, par exemple, quand il y a les bruits complètement aléatoires et imprévus qui rentrent d'une certaine manière dans la composition. Dans la fameuse pièce 433, la musique, il n'y a pas de musique, donc c'est le silence qui n'existe pas d'ailleurs, mais bon, comme John Cage le dit, mais ce qu'on entend, c'est plutôt les sons aléatoires qui sont d'une certaine manière en dehors de la pièce musicale et qui rentrent dans la pièce musicale et qui font, et ça devient paradoxal, la musique elle-même. C'est assez passionnant et ça, c'est très proche du zen et de la. Typiquement, il y a des échanges entre la philosophie, la spiritualité, l'art des jardins et la musique qui est absolument. Absolument passionnante. Alors, si on a encore quelques minutes, oui, la question qui me paraît toujours très intéressante, et Eric aussi, peut-être tu peux mais vous en parlez un peu dans un article de vue que j'ai lu, la différence entre le dedans, le dialogue entre le dedans et le dehors dans le jardin, qui ne fonctionne pas que dans le jardin japonais, d'ailleurs, par rapport à l'exemple que je viens de faire. Le jardin, sans rentrer maintenant dans des questions pédantes, mais le jardin se définit par rapport à ses limites, par rapport au fait qu'il met le monde à distance, qu'il se sépare. Et on le dit et redit, étymologiquement, le mot jardin indique un lieu séparé, un lieu clos. Il n'y a pas de jardin sans clôture, même symbolique, même métaphorique, mais il faut qu'il y ait une séparation. Mais à partir du moment où le jardin se constitue en mettant le monde à distance, il rentre dans un dialogue avec le monde. Et cette lisière, cette barrière, hein, parfois, entre le dedans et le dehors, est évidemment poreuse. Il y a un dialogue qui change. Parfois, je me dis qu'on pourrait revoir toute l'histoire de la musique par rapport à la manière dont ce dialogue a été vécu. Comment dans les jardins de l'Antiquité, dans les jardins médiévaux, dans les jardins de la Renaissance, quand on intègre le paysage, dans les jardins à la française, avec ces perspectives qui s'ouvrent sur l'infini, les jardins paysagers, évidemment, dans les paysages, encore une fois, est intégré. Comment on a joué là-dessus? Donc, et les jardins japonais offrent encore d'autres possibilités, peut-être plus fines, encore plus subtiles. Et vous en parlez par rapport à, c'est assez intéressant, par rapport à l'expérience du jardin, parce que je pense que vous avez réfléchi à ça au Japon, notamment. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure. Mais aussi par rapport à l'expérience du musicien. Et vous avez commencé à en parler, ça m'intéresse beaucoup. Alors, peut-être ce que je peux dire, c'est... vous en avez parlé aussi, c'est la relation, enfin, l'analogie qu'il y a dans le travail du musicien, du compositeur et le travail du jardinier. Et ça, c'est une chose que j'ai aussi vue, enfin, j'ai remarqué dans ces jardins à Kyoto. Alors, d'une part, effectivement, il y a le jardin, c'est un plan, déjà. Le paysagiste, il fait un plan. Et il travaille avec le temps aussi. Donc ça, c'est deux choses qui sont comparées avec la musique.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un itinéraire aussi. Alors, notamment, certains jardins japonais, les jardins de thé, sont des jardins d'itinéraire. Ce n'est pas des jardins qu'on contemple depuis le temple, mais on suit un chemin qui est tracé. Hein. On ne peut pas s'en éloigner. Et là, je rebondis un petit peu ce que vous avez dit au début sur l'histoire du son dans les jardins. Moi, ce qui m'avait frappé à Kyoto, c'est que dans ce type de jardin donc d'itinéraire, alors c'est très, très similaire avec la conscience musicale, vous savez, le principe d'une œuvre musicale réussie, c'est une œuvre qui maîtrise le temps, c'est-à-dire en fait qui construit des événements, enfin comme toutes les œuvres de temps, on va dire, hein, c'est pas que la musique d'ailleurs, mais qui gère qui organise les événements pour construire un discours et que l'auditeur soit sans cesse surpris par ce qu'il va découvrir. Et dans ces jardins japonais, dans ces jardins de thé, moi j'avais remarqué que pour le son, c'était assez extraordinaire parce que les sons qu'on entend surtout, en fait, ce sont les sons des petits ruisseaux. Hein. Mais la relation entre ce qu'on voit et ce qu'on entend est organisée de telle façon à ce qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens d'un des jardins où on suit le chemin. On entend un bruit, on ne sait pas ce que c'est, et ensuite, on voit que c'est le ruisseau. Hein. Et l'apparition de tous ces événements, à la fois visuels, les constructions, les événements sonores, sont organisés dans le temps de la déambulation du jardin. Ce qui fait que quand vous avez parcouru tout le jardin, vous n'êtes jamais ennuyé une seconde parce qu'à chaque fois, vous avez un élément qui ponctue votre déambulation, que ce soit visuelle ou sonore. Et le traitement du son est vraiment pris en compte dans ces jardins qui datent de l'époque. Pour nous, c'est qui ont du 16e, 17e siècle. Hein. Voilà, donc ça c'est une chose qui m'avait frappé aussi, et qui cette histoire de construction dans le temps d'un projet jardinier. Pour le Ryonji et d'autres jardins japonais, il y a aussi ce paradoxe. Ce sont des jardins où l'on ne pénètre pas. Et ça rappelle beaucoup cette espèce d'enclos. Mais les jardins zen sont aussi des jardins où l'on ne pénètre pas. Comme le jardin de la Bibliothèque nationale, d'ailleurs, qui est une plantation d'arbres dont on peut faire le tour, mais dans laquelle on ne marche pas. Oui. Mais ça nous éloigne de la musique. Oui. Il n'y a pas de bruit de pas. Est-ce qu'on se laisse un petit moment, on attend de faire éventuellement un petit débat avec, enfin débat, question, pas forcément des questions d'ailleurs, parce que c'est plutôt des remarques. Je pense que j'espère que ce qu'on a raconté a éveillé des idées. Si vous avez des remarques ou des questions, effectivement, hein, sur ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas à les partager, bien sûr. Oui. Simplement, quelle est la part de plaisir? Vous n'avez jamais parlé de plaisir dans le jardin, de musique et le jardin. Qui veut répondre? Non. non, mais c'est vous avez raison. C'est oui. Il y a beaucoup de plaisir. Il y a un plaisir acoustique. Il y a un plaisir. Mais si je peux, moi je dirais que le plaisir c'est pas juste voilà parce que c'est agréable pour l'oreille. Je pense que ça fait partie du plaisir des différents. Enfin, c'est peut-être le même plaisir à chaque fois le jardin, que ce soit les sons ou le parfum ou la vue ou etc. C'est évidemment ça sollicite les sens, en l'occurrence lui, mais ça nous offre un plaisir qui est peut-être plus profond et qui est le fait que à travers le sens, l'expérience sensible, sensorielle, on revient un peu au monde, enfin on trouve une place dans le monde, et notamment dans le monde de la nature.
voilà, de ce qu'on a, qu'on serait peut-être à dire à la nature. Mais bon, moi, je suis toujours convaincu que la fonction primaire du jardin aujourd'hui, mais peut-être pas seulement aujourd'hui, c'est ça, c'est de nous ramener au jardin, à la nature dont on s'éloigne constamment. Quoi. Donc le plaisir, c'est peut-être à travers le sens, y compris le sens de lui, de faire partie de quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, dans lequel on se sent peut-être plus tout petit d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus grand, parce que c'est mystérieux, parce que ça, et qu'on a le sentiment que c'est là la vie en fait, que c'est là la vraie vie, et que peut-être être vivant, c'est être connecté de cette manière-là au monde vivant justement qui nous entoure. Mais bon, je ne sais pas si c'est évidemment c'est absolument personnel et on ne réfléchit pas à chaque fois. On se promène dans un jardin et on se laisse porter par le plaisir acoustique. Mais un musicien peut-être a une autre réponse. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça aussi, c'est une chose qui, a, pour moi, j'ai remarqué que c'était à la lecture des écrits d'Anne Coquelin, d'ailleurs, qui parle du jardin, mais qui en parle en des termes qu'on pourrait transposer en musique. C'est-à-dire qu'en fait, le plaisir du jardin, c'est le plaisir de ce qu'on voit, hein, de ce qu'on voit, des couleurs, des formes, et le plaisir de la découverte. Hein, de déambuler dans le jardin, d'aller découvrir autre chose. Donc il y a à la fois le plaisir du spectacle, hein, de chaque élément dans le détail, hein, et le plaisir d'aller plus loin, de découvrir autre chose. En musique, c'est la même chose. En musique, c'est pareil. Vous avez à chaque instant la sensualité des sons, de la complexité de l'orchestration, le merveilleux en fait de ces êtres invisibles que sont les sons composés, et puis de savoir ce qui va nous attendre si on continue le chemin de l'écoute et qu'on va plus loin. Et on pourra aussi parler du plaisir du modèle réduit du monde rétréci. Le jardin, c'est aussi un monde que l'on maîtrise, à peu près, il y en a des grands, mais en tout cas, c'est une représentation constituée et qui rassure, parce qu'on en est, une pièce équilibrée dans les dimensions. On n'est pas seul au cœur de la forêt amazonienne, le jardin, c'est justement le contraire. C'est l'être humain qui est replacé dans la nature, mais dans un environnement qui est plus maîtrisé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres... Est-ce que... Non, ça marche. Si. Je voulais demander à M. Hervé s'il faisait de l'improvisation. Enfin, disons que c'est comme un paysagiste, j'improvise pas en fait. je fais des plans. Là, pour le coup, c'est aussi. Enfin, un jardinier, même s'il improvise, c'est pas sûr que ça marche en fait. C'est pas sûr que les plantes vont pousser. Moi j'aime bien aussi. J'aime beaucoup ce que dit Gilles Clément sur la manière, sur le travail du jardinier en fait, hein, où il dit il faut faire avec la nature. Et pas faire contre. Mais alors, donc la nature, elle nous donne des contraintes. Hein. Donc on peut pas improviser avec la nature, dans musique. Enfin, dans mon travail d'écrivain, compositeur, et j'improvise pas. Voilà. Il y a des improvisateurs en musique, mais c'est autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure de John Cage et de l'aléatoire, le hasard. On peut laisser aussi de la place à l'aléatoire. Mais ça vous plaît pas. non, mais c'est comme le jardin finalement. Mais c'est vrai. Il y a toujours en musique, vous avez toujours. Je vais reprendre des images de jardinier plutôt que de musicien. J'imagine quand vous dessinez un jardin, bah vous avez prévu des choses. Évidemment, les choses ne marchent pas toujours comme on avait prévu. On avait, moi, par exemple, là, dans Germination, des fois, on avait prévu de planter des graines de radis rouges et ça ne marchait pas. Bon, bah, alors, il fallait qu'on prenne du blé, ça marchait mieux. Donc, en fait, on prévoit des choses, mais des fois, ça marche. En musique, c'est pareil. Hein. Quand vous,
un compositeur, il écrit une partition, il imagine des choses, et des fois, le résultat n'est pas tout à fait ce qu'il avait pensé. Puis en plus, vous avez surtout une dimension qui est très, très importante, c'est celle de l'interprète, instrumentiste, qui lui, alors ce n'est pas l'improvisation, mais qui se réapproprie la partition et en fait ajoute quelque chose, une liberté dans cette contrainte qui est la partition. Non, pas de remarques. Donc on peut arrêter la. Donc je. Alors aussi on parlait du secret, la dimension du jardin secret. On n'a pas beaucoup parlé de ça, de cette intériorité du jardin. Et sans doute en musique, elle peut être rendue aussi par les interprètes, par exemple, puisqu'ils sont face seuls à une partition ou une lecture. Donc le paysage peut être une partition aussi. Donc il y a ces deux dimensions-là dont on n'a pas parlé. Qui manquent. Qu'est-ce que vous entendez par la partie secrète? C'est intéressant. La partie secrète, souvent le jardin, c'est un lieu où on se recueille, où on est seul, où on se promène seul, où on déambule. Vous avez parlé de déambulation aussi. Donc on peut aussi parler d'une relation particulière avec l'espace. Vous avez dit créé par l'homme. C'est un espace qui a été créé par l'homme. Et donc de là, c'est une relation particulière. Quand on est dans cet endroit-là, on n'est pas le même que dans la rue, par exemple. Moi, je parle comme ça, hein, ça me vient comme ça. Non, c'est une remarque intéressante. Voilà. Et donc, d'où la part intéressante des interprètes par rapport à la musique, il faut leur laisser la liberté de s'exprimer et la liberté de pouvoir improviser à un moment donné, peut-être. Ouais. Voilà. Bon, c'est une remarque. Très intéressant. Moi, j'ai tendance à dire que un son, c'est un être vivant. Hein, de toute façon, il naît, il se développe, et puis il s'arrête. mais ça aussi, enfin, donc, en tout cas, moi, dans mon travail, j'aime bien comme ça ces idées qui viennent du monde vivant, et je trouve que c'est. J'ai une approche en tout cas qui est effectivement de cet endroit, parce que ça, les êtres vivants sont comme ça. Les plantes, effectivement, naissent, croissent, et puis fanent. Il y en a d'autres. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais oui. c'est la question du temps, effectivement. Et le temps, c'est une dimension qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est, à mon avis, très importante. En plus qu'une dimension, la perception du temps est aujourd'hui, elle est très, très, elle disparaît un petit peu, hein, dans notre monde d'aujourd'hui, on est un monde de vitesse, d'instantanéité. Et c'est vrai que le fait d'aller dans un jardin et de s'asseoir et d'écouter le temps qui passe ou de revenir et de voir tous les jours. Moi, en ce moment, je plante mes graines là pour planter dans mon potager. Et tous les jours, j'arrose et je regarde si ça pousse. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une notion qui est... commune avec la musique aussi, ouais, c'est vrai, cette dimension du temps qu'on a tendance à perdre aujourd'hui dans notre société. Ce que vous dites me fait penser à un article dans la revue, toujours Maria Adriana Giusti, qui cite
Claude Lévi-Strauss, selon lesquels la musique, comme la mythologie, sont des machines à supprimer le temps. C'est assez intéressant quand même. Mais peut-être c'est plutôt supprimer la mort. Ça me fait penser à ce que vous dites. Et dans ce sens-là, parce que de toute façon, la musique renaît constamment, la musique ne touche pas seule. Et là, on voit une différence, pour le coup, radicale entre le jardin et la musique, parce que le jardin intègre vraiment la mort et la met en scène constamment. Le dépérissement, la fin, le recommencement, un tout petit niveau, celui de l'automne arrive, l'hiver arrive, les vivaces disparaissent, les annuels meurent, et puis il y a la renaissance, mais il y a la mort quand même. Donc le jardin le met vraiment en scène, la mort. Il fait partie de la vie du jardin, il fait partie peut-être pas forcément du plaisir, mais peut-être aussi un peu quand même, de voir ce rapport-là à la mort dans l'expérience du jardin. Alors que la musique... Oui, oui, il y a une mise en scène, oui, dans la. Oui, mais c'est pas une manière de dépasser justement, d'aller au-delà de la mort, presque de l'abolir, comme le dit Lévi-Strauss. Enfin, il parle du temps. Oui, en la représentant. Le sujet du jardin, de la mort, du temps, et de la musique aussi, du coup, c'est tellement vaste qu'on devrait vraiment partir. Oui, merci beaucoup. Il y a encore une dernière question. Ah oui, on n'a pas parlé de silence. C'est étonnant qu'on n'ait jamais parlé de ça. Vous avez tout à fait raison, et je dois rajouter que lorsqu'on m'a proposé de faire un jardin sonore à Paris, moi, ce que je voulais, c'est surtout faire du silence. Parce que Paris, c'était une ville très bruyante, et dans les premiers projets qu'on avait imaginés avec l'agence de paysagistes, c'était de faire un mur d'eau pour masquer déjà le bruit des voitures. Et donc pour créer une espèce de silence naturel, vous voyez, avec un bruit naturel qui déjà nous emmène ailleurs. Mais vous avez tout à fait raison, en fait, la beauté du jardin, c'est d'abord, et la beauté de la nature aussi, c'est déjà d'être dans un horizon silencieux. Alors il y a des choses, il se passe des choses. C'est pas un vrai silence. Mais par contre, on est dans un horizon qui est quand même dégagé au niveau de l'environnement sonore, quoi. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions de la dernière seconde, je vous remercie. Donc, je remercie évidemment nos deux invités, Eric Dussert, Jean-Luc Hervé, et vous tous d'être venus, d'avoir écouté patiemment et j'espère avec intérêt. Et je ne sais pas comment on va faire pour la diffusion des informations pour l'avenir, mais voilà, on peut continuer ce genre de rencontres. Donc, vous êtes invités à chaque fois à revenir. Merci beaucoup.